On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 11 et c'est un vlogmas un peu particulier puisque ça va être aujourd'hui un vlogmas, ça fait 3 fois vlogmas, face cam où je vais faire mon shopping de Noël avec vous mais uniquement avec des petits créateurs et des petits artisans français ou européens. J'ai fait une petite sélection sur Instagram il y a un moment, je vous avais demandé en fait si vous étiez un créateur, un artisan, de me partager votre travail, de me partager votre boutique parce que moi cette année, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier que vous n'avez peut-être pas vu, je vous invite à aller le voir en cliquant dans le petit i, j'ai envie de faire un Noël différent, j'ai envie de privilégier des créateurs, des artisans qui cette année ont été complètement malmenés avec la crise du Covid et avec des géants comme Amazon qui prennent toutes les parts de marché, sans compter le fait que les boutiques physiques ne rouvrent que maintenant. À titre personnel, je vais faire un tour dans les boutiques physiques très bientôt, j'ai déjà ma petite sélection en tête, mais en attendant aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ces petits artisans et créateurs que j'ai sélectionnés pour faire mon shopping de Noël, pour les mettre en avant, pour mettre en avant leur travail et peut-être pour vous donner des inspirations cette année. Si vous ne savez pas quoi offrir à vos proches et que vous avez envie de faire comme moi un Noël un peu plus responsable et surtout un Noël solidaire, pour moi ça c'est vraiment le plus important cette année, de donner mon argent à des gens voilà, qui sont un peu malmenés par le Covid. Et ça permet aussi de consommer de manière plus éthique puisque ça consomme juste à côté de chez nous. Il y a pas mal de créateurs français que je vais vous présenter juste après. Avant de lancer cette vidéo et de vous proposer ma sélection, je sais que Margot You Make Fashion a entrepris un projet qui pour moi est super intéressant. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais mettre en avant le projet de You Make Fashion qui s'appelle Mary Clickmas. Donc il y a le site que je vous mettrai dans la description qui s'appelle maryclickmas.fr. Je sais qu'elle a aussi fait un Instagram. J'adore le concept, je trouve que l'idée est géniale, surtout en cette période. En gros, c'est un site qui répertorie 200 créateurs français. Et vous pouvez aller faire votre shopping, vous inspirer en fait pour les fêtes de fin d'année, aller voir ce qui se fait et aider en fait les créateurs et les artisans français. Je trouve que la démarche est super chouette. Personnellement, je suis pas encore allée jeter un oeil sur le site, mais je pense que je vais pas tarder si jamais il me manque 2-3 petites choses. Mais le site est super bien fait, ça vous permet d'avoir plein de créateurs français, de voir des artisans, de voir des petites boîtes qui se lancent, des petites marques, et essayer de faire un Noël un peu plus, comme je vous le disais, responsable, solidaire et made in France. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous parler moi des créateurs personnellement que j'ai dénichés grâce à vous sur mon Instagram. Peut-être même que si vous regardez cette vidéo, vous allez voir votre boutique apparaître, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous invite toujours à me suivre sur Instagram. C'est là où en fait je demande le plus de vos conseils, c'est là où je vous pose des questions, c'est là où j'essaye d'interagir le plus avec vous. Donc si vous avez envie de mettre votre boutique en votre marque, vos créations, bah, n'hésitez pas, c'est sur Instagram que ça se passe, donc rejoignez-moi là-bas. Donc on commence par la créatrice Clémence qui a donc la boutique La Griffe de Mao et qui fait en fait de la papeterie. C'est hyper mignon, c'est de la papeterie surtout, moi c'est ce qui m'a fait craquer sur le thème Harry Potter. Donc en fait il y a plein de graphismes qu'elle fait elle-même. On peut voir des posters, des affiches avec Ron Weasley, Albus Dumbledore, bien entendu. J'adore les illustrations qui sont hyper innovantes, j'adore les posters, j'adore les cartes postales, je trouve que c'est génial. C'est un super cadeau et j'ai vu qu'en plus elle faisait des cartes postales et des affiches, je crois, personnalisées. Donc en fait, vous pouvez lui envoyer une photo de vous et de quelqu'un que vous aimez ou de, voilà, de quelqu'un pour qui vous allez faire un cadeau. Et en fait, elle vous le dessine et elle vous le fait l'illustration, donc c'est super chouette je trouve, et j'adore son univers, je trouve que c'est hyper mignon, et vraiment je voulais mettre ça en avant parce que à titre perso, j'adore Harry Potter, vous le savez, Potterhead dans l'âme, et forcément je pense que je vais craquer pour un ou deux trucs parce que c'est absolument adorable, absolument trop, je trouve que c'est très original et c'est très joli, donc je voulais absolument la mettre en avant parce que j'adore sa petite boutique. Elle est sur Etsy bien sûr, comme bien sûr vous vous en doutez, tous les liens, bien sûr vous vous en doutez, toutes les personnes que je cite dans cette vidéo seront mentionnées dans la description, vous pourrez aller voir directement leur boutique en description. On continue avec la catégorie pour les animaux, parce que oui, ça fait toujours plaisir aux personnes qui possèdent des animaux de recevoir des petits cadeaux pour leurs petits compagnons, c'est toujours très agréable, et je vais commencer par des créateurs français. C'est un site qui s'appelle Un Poil de Laine, et en fait ils font plein de jouets, plein d'accessoires, donc pour les animaux, il y a plein de petits trucs trop mignons, pour les chats, pour les chiens, bon je trouve ça absolument adorable. Bien entendu, donc ils font des bandanas, des nœuds papillons pour les animaux, pour les chiens, pour les chats, enfin, c'est trop mignon parce que tout est en laine et c'est assez original. J'avoue que moi les jouets, j'adore les jouets pour chats, là le petit poisson il me fait craquer, en plus il est vraiment pas cher mais il est beaucoup trop mignon. Donc voilà, ça c'est une première boutique pour vos animaux, j'adore, je trouve ça
Trop mimi. Il y a ensuite le suite Pompon and Pets, pareil, made in France. Et ça, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font des harnais. Et en fait, ils font des harnais que moi, je peux utiliser pour Jelly. Ce sont des harnais en fait en 8 et c'est assez rare de trouver ça. Et en fait, bah, ils font plein d'accessoires pour les animaux, que ce soit des harnais, des colliers. Il va y avoir aussi plein de laisses, des pendentifs, des nœuds papillons, etc. Des colliers en tissu. Enfin bref, il y a plein de trucs hyper mignons. Et écoutez, j'adore les animaux. J'ai des animaux à la maison. Il y en a une qui est en train de dormir juste ici. Voilà, je trouve ça sympa. Pour le dernier site pour les animaux, j'ai choisi la boutique Happy Rose Création, qui est du coup une boutique belge et qui fait des colliers personnalisés pour les animaux. Et j'avoue que c'est absolument magnifique. Je pense que je vais craquer pour Jelly parce qu'il y a vraiment des colliers trop beaux. Il y a des laisses qui sont incroyables. Il y a plein aussi de petits... produits pour les animaux, par exemple pour leurs petites pattes, etc. C'est des trucs que j'ai un peu moins de mal à trouver dans les animaleries classiques. Donc je suis assez contente, il y a aussi des médailles personnalisées et personnalisables. On passe maintenant à la déco, on commence avec de la décoration florale. Et j'ai choisi la boutique Sous les Cloches. C'est super mignon en fait, c'est plein de décorations à base de fleurs. Donc ça va être soit des bijoux avec donc des boucles d'oreilles, des petites fleurs séchées. Il va y avoir des arrangements, il va y avoir des fleurs sous des cloches en verre. Enfin ça c'est super beau dans des tubes. Enfin bref, ça c'est hyper joli dans des petites bouteilles. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les arrangements floraux, c'est hyper joli. Vous pouvez passer comment sur son Instagram, je vous le mettrai pareil dans la barre d'infos. Il y a des barrettes pour les cheveux, il y a plein de petits arrangements. Oh là là, il y a des broches, il y a des fleurs sous cloche, c'est trop beau, c'est des fleurs séchées. Oh, j'aime trop, c'est trop joli, sympa pour de la décoration, je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est fait en France, pareil, trop beau, trop beau. J'ai sélectionné une boutique qui me plaît beaucoup parce que je pense que c'est un des cadeaux que je vais offrir à un de mes proches. Donc c'est la boutique Mon Petit Paillasson. Ça vous permet de faire des paillassons personnalisés pour vos proches ou même pour vous. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Je trouve que c'est une super idée parce que moi je connais quelqu'un qui vient de déménager il n'y a pas très longtemps et je me dis que c'est une chouette attention d'offrir un joli paillasson pour devant l'appartement ou la maison. J'aime beaucoup l'idée. Il y a plusieurs tailles différentes, il y a plusieurs idées différentes et vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. J'aime beaucoup l'idée, c'est une marque française, c'est très sympathique, c'est un idée de cadeau personnalisé et c'est fait en France, donc je trouve ça vraiment sympa et en plus de ça, c'est un cadeau utile. J'ai complètement craqué sur ce site, c'est le site de Ombeline Brun, c'est absolument magnifique. Ce sont des décorations à base de bois, c'est hyper beau, c'est très original, j'ai rarement vu des choses comme ça. Je trouve que c'est hyper mimi, ça vous permet en fait de faire encore une fois des cadeaux personnalisés et j'adore moi l'esprit bois, nature, un peu brut comme ça, je trouve ça super joli et j'aime beaucoup l'idée, donc j'aime bien le fait de prendre des matières nobles et d'en faire des objets de déco, je trouve ça super chouette. Et en plus de ça, c'est français, je vous laisse aller sur sa boutique, il y a vraiment énormément de choses, il y a des couronnes, il y a des décorations, il y a des tableaux, il y a plein de choses, enfin en vrai il y a des faire-part, enfin tout ça à base de bois, mais c'est insane, c'est trop joli, j'adore l'idée, vraiment. Il y en a un notamment de 4 mais que j'adore, je pense que je vais le prendre pour moi parce qu'il est magnifique. Je trouve ça super joli, c'est bien exécuté, c'est original, c'est nouveau, j'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses, c'est des très belles décorations pour des chambres d'enfants, il y a des affiches incroyables, bref je vous laisse aller checker, c'est absolument magnifique. Pour terminer sur la décoration, on va parler de la créatrice Arbamea qui vient de Corse, forcément mon île de cœur et de sang, j'adore, je trouve que c'est super joli, donc elle fait des cadres en fleurs et en feuilles séchées, ramassées et pressées en Corse sur notre belle île de beauté, je trouve ça hyper original. Il y en a un ici là qui est vraiment très beau, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un de ma famille, c'est en fait du mimosa, premier mimosa, je trouve ça magnifique, c'est très beau et encore une fois, j'aime le fait que ce soit en fait quelque chose qui soit vraiment fait à la main, qui soit naturel, qui provienne en fait de nos régions. Je trouve ça trop joli, c'est vraiment magnifique. Et vraiment il y a des très jolis cadres et je pense que ça a de l'avenir. C'est quelque chose que je vois pas très souvent et que je trouve assez beau vraiment, même plutôt magnifique. Donc je vous invite à aller regarder parce que c'est extrêmement joli. On passe à la catégorie des accessoires et je vais vous présenter donc une création française qui s'appelle l'Armorie.
Créée en plein cœur de Paris, la marque familiale vous propose une gamme de portefeuilles et de porte-cartes élégants en cuir végétal et upcyclé. Donc en plus de faire un geste pour un créateur français, vous faites aussi un geste pour la planète. Il y a des très jolies choses, je vois, qui sont aux Galeries Lafayette. J'aime beaucoup en fait les porte-cartes, je trouve que c'est quand même de manière générale extrêmement pratique. C'est ce que j'utilise à titre perso dans ma vie quotidienne. C'est très joli, ça peut être sympa de se tourner vers ce type de produit si vous avez envie de faire plaisir à un de vos proches qui a envie de s'offrir un joli petit porte-carte ou portefeuille. Je trouve ça très mignon, j'aime beaucoup et pour ça que je voulais mettre en avant. Je voulais vous parler de cette boutique parce qu'en fait j'ai totalement à titre perso craqué dessus pour le bébé de Ilia. Donc vous le savez, vous me suivez peut-être depuis un moment, sinon voilà, peut-être que vous la connaissez par vous-même, mais mon amie Ilia Raymond a accouché d'une petite princesse il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'étais allée la voir quand elle était enceinte et du coup voilà, elle a accouché, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller la voir, bien sûr avec le Covid c'est pas possible, et d'aller voir sa petite, mais du coup j'ai eu envie de leur faire un joli cadeau pour la naissance, et je leur ai offert une peluche made in France et ça vient de la marque Pamplemousse Peluche. Donc j'ai cherché un petit peu en fait des peluches made in France parce que je savais qu'Ilia voulait vraiment quelque chose qui respecte ses valeurs et son éthique, donc du coup j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée en fait sur cette boutique. Donc ils font des peluches dans leur atelier en France et j'ai complètement craqué. Je me souviens que je lui avais pris une petite... Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris un petit éléphant avec du Liberty et j'avais fait broder son prénom sur la peluche. J'ai totalement craqué quand j'ai vu ces peluches-là, vraiment. Il y en a qui sont absolument incroyables. Alors après, celle-ci-là, le hérisson, mais c'est magnifique. Enfin, Winston le hérisson, mais c'est juste, mais c'est des créations qui sont absolument incroyables, c'est magnifique, c'est très beau. C'est un très beau cadeau de naissance, mais aussi un très beau cadeau de Noël. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient d'avoir un petit, ou voilà, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, bon, bref, c'est beaucoup trop mignon. C'est trop mignon, c'est pour ça que je voulais absolument mettre ça en avant, parce que c'est vraiment une très belle découverte que j'ai fait, et je voulais vous la partager parce que c'est trop chou. Grâce à vous, j'ai également découvert une nouvelle boutique pour les accessoires de yoga. Ça s'appelle Les Barbaries. C'est fait à la main en France dans des matières écologiques et il y a vraiment des super produits. À la fois là, moi j'ai un peu regardé les coussins de méditation qui sont assez sympas, j'aime beaucoup la forme. Je trouve qu'ils sont très très jolis et en plus de ça ils ont l'air hyper agréables. J'adore, je trouve ça très joli. Il y a des cartes cadeaux sur le site si jamais vous savez pas trop quoi offrir. Il y a un truc... Vraiment, je pense que je vais en commander parce que ça, c'est génial. C'est des coussins relaxants pour les yeux. En gros, c'est des petits coussins que vous mettez sur les yeux et dedans, généralement, c'est voilà, en tout cas, en l'occurrence, c'est des graines de lin bio et locales ainsi que des fleurs de lavande patiemment cueillies, séchées et décortiquées par mes soins. Ils occultent la lumière. Et leur parfum aide au lâcher prise. Moi je trouve ça hyper cool parce que je sais que c'est ce qu'on met généralement quand on va faire des massages et tout, mais je trouve que pour la relaxation c'est intéressant. Et personnellement, moi qui ai souvent des migraines oculaires parce que je reste très très longtemps devant l'ordi et même avec les lunettes à écran bleu il y a un moment où ça me fait mal, je trouve que c'est super joli et je trouve que c'est très pratique. Et pour la méditation c'est aussi très 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 cool si vous faites de la méditation couchée. C'est très sympa, il y en a des très beaux et je pense que je vais acheter ça en fait, même pour des gens que je connais, je suis sûre que ça fera plaisir à beaucoup de monde pour Noël. C'est très sympa comme idée de cadeau, voilà. On passe à la bouffe, voilà, fallait que je vous le dise, moi je ne peux pas ne pas parler de bouffe, c'est pas possible, vous me connaissez, donc voilà. J'ai trouvé deux boutiques dont j'avais envie de vous parler. Impossible pour moi de vous parler de nourriture sans vous parler de Kone Cookie. Kone Cookie, je pense que vous en avez déjà entendu parler puisqu'elle est lyonnaise. Moi j'ai déjà travaillé avec elle à de nombreuses reprises, notamment sur plein d'événements que je faisais. Et j'adore cette nana, elle m'avait même aidée en fait sur les photos que je devais prendre pour mon livre de cuisine il y a un moment. Donc franchement je l'adore, Amandine elle est adorable et elle travaille super dur, elle est lyonnaise. Donc si jamais vous êtes dans la région lyonnaise ou que vous êtes lyonnais, vous pouvez passer à sa boutique, vous pouvez passer à son shop. Moi dès que je vais à Lyon, je sais que j'essaye toujours de trouver un moment pour y passer parce que c'est trop cool. Elle fait des cookies donc classiques, mais aussi et surtout c'est pour ça qu'elle est connue, tout ce qui va être en fait les cookies personnalisés avec des petits dessins, des cookies de Noël, etc. Bref, je vous laisse aller checker ça, c'est juste trop beau. Je pense que vous la connaissez déjà, mais elle fait même des trucs pour... Bon bref, je vous laisse aller voir, c'est absolument trop cool et il faut absolument que vous checkiez ça parce que c'est juste génial.
Et on termine en termes de nourriture sur la marque Les Petites Françaises Paris, qui est en fait une marque qui fait des tasses gourmandes à croquer. J'adore le concept, j'adore l'idée, je trouve ça génial. En fait, c'est comme des petits gâteaux et vous pouvez mettre du chocolat chaud à l'intérieur, du café et tout. Enfin bref, c'est hyper satisfaisant. Pour les gens gourmands, c'est une super idée de cadeau, je trouve. J'adore le concept, j'adore l'idée et c'est français. Voilà, si jamais vous avez dans votre famille des gourmands, des gourmandes, ou si vous avez envie de faire un cadeau avec un petit budget aussi, ben c'est aussi l'occasion de faire ce genre de petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année. J'adore l'idée, moi perso je vais en acheter parce que je suis sûre que Henri va kiffer et je voulais absolument partager ça avec vous parce que j'adore, je trouve que c'est trop sympa. Voilà, le vlogmas du jour touche bientôt à sa fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu trouver votre bonheur. J'espère aussi que ça vous aura donné quelques idées de cadeaux de Noël si comme moi, comme tous les ans, vous êtes un peu en rade d'idées. Vous avez envie de faire plaisir mais vous voulez pas faire un cadeau pour faire un cadeau qui n'est pas d'utilité. Moi je commence à trouver mon bonheur sur ces sites. Là j'ai déjà fait quelques petites commandes puisque vous avez vu la lumière a changé. En fait ma caméra n'avait plus de batterie, je suis allée manger, j'en ai profité pour faire 2-3 petites commandes. Et là une fois que c'est terminé je vais repasser encore quelques commandes sur des sites qui me plaisent beaucoup pour mes proches. J'espère que ça vous a plu, je vous répertorie tout ça bien évidemment dans la description. On passe maintenant au concours du jour. Pour ce vlogmas c'est Garancia qui vous offre des produits. Il vous offre 5 routines d'une valeur de 125€ avec 4 produits à l'intérieur. Je vous les montre quand même parce qu'ils sont vraiment très cool. Garancia, c'est une marque bio faite en France avec des ingrédients d'origine naturelle. Bref, c'est une marque que j'adore, 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 j'adore. J'utilise depuis toujours, depuis même avant ma transition sur des produits plus naturels, etc. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et que je trouve très efficace. Donc je vous montre les produits qui constituent cette routine. D'abord, il y a la formule ensorcelante anti-peau de croco aux actifs raffermissants, gomme sans grains et sans rinçage, ou nourrit et hydrate pendant 24 heures. Donc elle ressemble à ça, c'est un très grand format. Donc c'est une crème pour le corps 3 en 1, donc c'est assez innovant. Personnellement je ne l'ai pas encore testé, mais maintenant que je l'ai reçu, je vais pouvoir l'essayer et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite il y a l'huile ensorcelante qui est l'huile sèche pour le visage. Alors celle-ci par contre, j'ai très envie de l'essayer parce qu'en ce moment j'ai pas le visage en super forme on va dire. Repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Le bal masqué des sorciers qui est un masque pour le visage, c'est un masque nourrissant, apaisant, préventif. Franchement celui-là pour le coup je l'ai déjà testé et il est assez incroyable ce masque pour le visage. Et on termine ensuite par mon produit préféré de chez Garancia, je vous en parle depuis des années. C'est donc le Pchit Magique. Donc c'est un micro peeling sans grain du visage, ça se présente sous forme de mousse. Enfin dès que vous appuyez ça fait de la mousse. J'adore. C'est vraiment un super produit, ça fait des années que je vous en parle, que je vous le présente, bref, je sais plus dans combien de vidéos je vous en ai déjà parlé. Il fait partie intégrante de la routine. Donc voilà, vous pouvez gagner 5 routines comme celle-ci d'une valeur chacune de 125€, donc c'est hyper intéressant, c'est super cool. Pour participer, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de remplir le Google Doc qui se trouve dans la description. J'espère que ça vous fait plaisir. Un vlogmas un petit peu différent aujourd'hui, j'espère malgré tout qu'il vous a plu. Moi j'avais besoin de ce type de vlogmas pour pouvoir faire un petit peu tout ce que j'ai à faire à côté qui n'est pas forcément toujours montrable dans un vlog, pas toujours non plus hyper intéressant. Je préfère vous entrecouper ça de vidéos comme celle-ci pour être sûre d'avoir du contenu intéressant à vous proposer malgré tout. Et voilà, comme de vous proposer une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, d'aller voir mes deux derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Je vous retrouve demain pour un vlogmas normal. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.